Vous dites bonjour à YouTube maintenant, tant qu'on y est, vite fait, bien fait. Bonjour YouTube! Salut! Nouvelle vidéo surprise dans l'architecte, on continue, on était en pleine négociation avec la CGT parce que, en fait, on a fait l'erreur d'engager des gardiens et du personnel français. Donc, qui n'arrête pas de se plaindre. Et donc, il va falloir réussir à les contenter. Le problème, c'est que c'est impossible. On l'a bien vu avec la scène. Bon, bah j'arrête. Pardon. Ferme-la, Twitch. Ah putain, mais Twitch, ça raconte vraiment des conneries, hein. Bande de cons. Allez, c'est parti donc. Comment on fait? On va aller voir dans les finances. 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 Dotation. Non, c'est pas ici. Programme. Estimation. Subvention. Régime, besoin, tâche, admission, prisonnier. Comment je fais? Règlement. J'ai pas le règlement. Faut que je recherche règlement intérieur. Fuck! Ça va être la merde, hein. C'est où règlement intérieur? C'est où règlement intérieur, bordel? Je suis aveugle ou... Ah, règlement intérieur. 6 heures. Super, on a 5 heures pour les... Bon bah c'est mort, il y aura une grève et ça va être le merdier. Livre de bibliothèque non classé. Ok, bon la sécurité continue d'augmenter. Ils sont pas contents, pas contents. Merci beaucoup Silverid pour les Tous 5 les bits. mêmes les frontaliers jamais contennent. Merci pour les 8 bits. Dans 3 heures, il sera 4 heures de l'après-midi. Avec un peu de chance, la grève durera pas trop longtemps et ce sera pendant une nuit. Elle durera une nuit. Tu sais, les mecs qui ont rien compris. Mais la question c'est, ils seront en grève combien de temps? Bon, déjà, on va faire un truc, c'est qu'on va fermer les admissions. On veut pas plus de prisonniers tant qu'il y a la grève qui est possible. L'important, c'est que les besoins soient comblés. Est-ce que je peux remettre mes télévisions, moi? Non, toujours pas. Toujours pas. Non, dans finance, j'ai rien, hein, je crois. Finance. Enfin oui, il y a salaire du personnel, mais je peux pas l'augmenter. Donc ça doit être sous règlement, je pense. Vu que c'est règlement intérieur, c'est possible que ce soit ça. Je sais pas. J'ai pas fini de mettre mes douches. Ah! Vite, avant que le personnel soit en grève! Finissez les douches! Ok, et tout ça prioritaire, vite! 2 heures! Non! Il faut pas 2 heures pour installer 6 douches, non? J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. C'est peut-être la fin du game, hein. Parce que du coup, la recherche. Ouais, 59 minutes. Alors que 22 minutes pour le. Notre personnel s'est mis en grève. Il se remettra au travail s'il obtient l'augmentation de 50% demandée. Ok, mais on va pouvoir le remettre. Le maire appelle. Un incident survenu dans un autre établissement a mis en évidence certaines failles de sécurité lors des visites des familles aux prisonniers. Toutes les visites doivent être interrompues le temps de l'enquête de sécurité. Vous avez 12 heures pour supprimer tous les parloirs de votre prison. Mais attends, j'ai le personnel en grève. Attends, mais c'est que les gardiens qui sont en grève? Attendez, ils sont en train de foutre des feux de manifestation. Putain, mais je peux pas enlever les maisons, les trucs de parloir. Ah non, qu'il n'y ait pas de parloir. Non, bah c'est bon, attendez, ça, je peux simplement faire ça.
Hop là, plus de parloir. C'est bon, plus de parloir. Est-ce que c'est bon, la recherche? La recherche, c'est presque bon. Ah, ils sont en grève pendant 24 heures, ok. C'est tout le personnel, donc même la bouffe, tout. Ok, donc la recherche, c'est bon maintenant. Hop là, attendez, je me pose. Règlement. Alors, destruction, tentative d'évasion, taille des repas, salaire du personnel, baisse de 10%. Non, augmenter. De 50%. Ça va me coûter très cher. Mais... c'est bon, il est plus en grève. Maintenant, vous me virez ces putains de tonneaux. Et vous fermez vos gueules. Mais... attention. Maintenant que j'ai fait l'augmentation, est-ce que... alors, il semblerait que ce soit pas très RP, mais l'augmentation dans le cul, la balayette. Voilà. C'est bon, ils ont fait leur petit... montrer leur zizi. C'est bon. Et moi, je vais montrer mon gros sexe. Savoir courber les chines pour mieux se redresser. C'est quoi? Vous savez quoi? Paf, voilà, moins 10% sur le salaire. C'est tout ce que vous méritez, les mecs. Ah, le capitalisme. C'est ça qu'on aime. Et du coup, on gagne plus de pognon qu'avant. C'est vrai qu'ils n'ont pas précisé combien de temps ils la voulaient, leur augmentation. Hein. Ça, c'est fait. T'aurais pu leur laisser pour une journée en mode je vous laisse pour un jour, mais demain finit la petite blague. Non, 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 non. Je leur ai laissé faire leur show, ils sont contents, ils ont allumé des feux, ils ont fait comme à la télé. Voilà, mais maintenant, retour dans la vraie vie. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Attendez, j'ai le confinement en cours? Non. Pourquoi ça clignote, le confinement? Non, voilà. Je sais pas pourquoi le confinement, il clignotait. Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que je voulais faire? J'avais vu un... ah oui, sur cet onglet-là. Donc, la taille des repas, variété des repas, c'est au niveau des prix. Et donc, on va avoir une mission avec ça. Utiliser l'évaluation de qualité de la cellule. Alors oui, comment ça marche, ça? L'évaluation de la qualité de la cellule. Ah, voilà. Sur le prisonnier, on peut voir qualité de la cellule 2, moyenne. Et ça, en fait, on va pouvoir l'augmenter. Je sais pas. On va pouvoir voir à, par la suite encore plus d'informations sur la qualité de la cellule. Je retrouve où c'est. On a débloqué les cours. On a débloqué les cours. Je sais pas. Pas très long. Ça doit être 2 semaines, 15 jours. Dans ces eaux-là. Ouais, alors déjà, on voulait démonter, finir de démonter les douches. Objet, démonter ça. Normalement, ils ont tous leurs douches et les pommeaux de douche. Oui, ça a l'air d'être bon. Donc, vous allez pouvoir supprimer ça. Supprimer... démolir mur, vous démolissez ces murs-là, je sais pas pourquoi en fait je suis con d'avoir pété le bâtiment. Vous allez pouvoir objet, démonter objet, ça, ça, en fait tout ce qu'il y a là, donc les grilles, les portes, voilà. On va mettre des cellules en plus ici. Logistique. Ah, qualité des cellules, voilà. Donc là on peut voir qu'ils ont une qualité de cellules de 3. Ici de 2. Donc, pour passer en catégorie supérieure, il faut une pièce d'au moins 6 cases. Non, une pièce d'au moins 9 cases. Fenêtre vers l'extérieur, elle fonctionne. Ok, élément pommeau de douche, mais ils veulent des télé, radio, etc. Et on va pouvoir augmenter la qualité de ces cellules. Par contre, c'est quoi le 1 sur occupé par une habilité à catégorie 2. Ok, ça, c'est une personne qui voulait une cellule de catégorie 2. Donc là, tout est bon. Non, lui, il n'est pas content. Parce que lui, il veut une cellule de catégorie 3. Ici, pareil.
À part un habilité, donc... travail carcéral, ça c'est déjà ce qu'on a, on a déjà mis, ouais. Je sais plus comment on fait pour faire les... Ça doit être dans la micro-gestion, j'ai pas encore débloqué. Mais ce que j'avais vu, voilà ce que j'avais vu. C'était... Voilà, sûreté et sécurité de l'atelier, salubrité et hygiène culinaire. Donc ça, ce sont les cours que les prisonniers peuvent suivre. Donc, ça coûte à nous de l'argent, je crois. Et en fonction de ce qu'ils font, ça va se pratiquer dans une cuisine, dans une salle de cours, etc. Donc par exemple, salubrité et hygiène culinaire, cuisiner pour les centaines de personnes nécessite de respecter certaines règles. Les détenus doivent réussir cette formation avant de pouvoir travailler en cuisine. Mené par un cuisinier dans la cuisine, durée de la séance 2 heures, chaque prisonnier a besoin de cuisinière. Il faut qu'il soit volontaire, pratique, je ne sais pas ce que ça veut dire, et c'est un travail facile. Donc je peux commencer ça, je peux le lancer deux fois parce qu'on a deux cuisines. Et ça se déroule de 9h à 11h le matin. Donc il faut que, ici, dans les tâches... Non. Est-ce qu'il faut que je le mette, je sais plus, dans les... Dans le régime. Ouais, 9h à 11h du matin, donc travail temps libre, c'est bon. Par contre, il va me falloir des cuisinières en plus, je pense. Donc on va mettre une cuisinière de plus là. Oh, tunnel découvert. Tunnel découvert. Attendez, ça, on va s'en occuper tout de suite. Tout de suite. Merde, non, cancel. Là. Tunnel découvert, donc attention. Il me faut un maître chien... Qui va venir ici. Non, attendez, comment ça marche les tunnels déjà? Retirer tunnel. Comment je fais pour détecter des tunnels déjà? Ici. Comment je fais pour détecter les tunnels? Ah, voilà, voilà. Donc là, ils ont senti des tunnels. Comment ça marche déjà? Fouiller la cellule. Fouiller la cellule. Fouiller la cellule. Ça doit être un de ces deux-là. Ah là, tunnel découvert. Regardez-moi ce trou du cul. Ah, ici aussi. Agression, agression, agression. Pourquoi on a un prisonnier dehors? Pourquoi il y a des prisonniers dehors? C'est mieux de la nuit? C'est à cause du tunnel? Et il y a eu un mort, c'est qui est mort? C'est bon, c'est un gardien, c'est un prisonnier, c'est pas grave. Et du coup maintenant, retirez les tunnels. Tout ça, vous allez les virer. Bonjour Trafri. Et on peut reprendre prisonniers devant être libérés. Il y en a... Ok, il y a plusieurs trucs conditionnels. Par contre, les conditionnels, ça fonctionne ou pas? La conditionnelle. Et c'est au niveau des admissions. Admission remplir. Jusqu'à 79, ça va être un peu plus après. On va pouvoir avoir quelques prisonniers qui vont venir. On va toujours pas prendre des hauts de sécurité. On va prendre que des moyens. Rewiza. Il y a une sortie de tunnel à l'extérieur. Pas de la prison, mais à l'extérieur de la cellule. Ouais, c'est ce que j'ai détecté. Ah, mais il y a encore. Bon, d'accord. Fouille générale. C'est tout ce que vous avez mérité, bande de sagouins. Je pensais bien vous traiter, moi, ok? Par contre, ouais, on a le travail en cuisine maintenant. Donc, ce serait peut-être intéressant... Bon, déjà, de mettre l'électricité sur ce machin. Mais aussi, et surtout, d'installer des détecteurs de métaux. Détecteurs de métaux, ici... Et ici. Et du coup, électricité. Bah c'est bon. Non, il faut que je fasse ça, je crois. Là, ça va être bon. C'est déjà bon. Pourquoi lui se douche alors que c'est hors de dodo? Bordel. Alors après, ça peut être des faux positifs aussi, les tunnels. Des fois, les chiens, ils découvrent des tunnels alors que c'en est pas. Salut, mécano!
Notre personnel n'est pas satisfait des conditions de travail de la prison et menace de se mettre en grève s'il ne tient pas une augmentation de 50%. Mais oui, tiens, je te la donne, ton augmentation. Il n'y a pas de problème. Avec très grand plaisir. Tu fournis un travail de, tellement de qualité que voilà. Merci Mécano pour les bibites. Merci beaucoup. Revanche. Mais en plus là, ils voulaient 50% de leur salaire actuel, donc ils sont passés, je l'ai monté à 40, ça a suffi. Hein. Bon, je les ai rebaissés à moins 10, mais ça a suffi. Est-ce que ici, pour être sûr, on va reprendre un maître chien. Toi, viens voir par ici et tu me dis si tu trouves un tunnel. Ça a pas l'air d'être le cas. Hein. Ici. Non, ça a l'air d'être bon. Et la fouille générale, il reste pas grand chose à fouiller, ça passe, on a trouvé plein de contrebandes, c'est bien. Et on a... Voilà, fouille terminée, parfait. Alors, maintenant, entre 9h et 11h, on verra s'ils suivent les cours, du coup. Que passe-t-il si on met à 0? Aucune idée. Je sais pas. Par contre, grosses agressions de partout, là. Ça y est, il y a encore des morts. Bordel! Mais vous voulez plus de gardiens encore? Je peux vous mettre des maîtres chiens en plus, hein, y a pas de problème. Des toutous. Fonds insuffisants. Ah! Ah merde, je voulais mettre des gardiens, je peux plus du coup. On a déjà des toutous en plus. Il y a des prisonniers morts, il y a 4 décès. Qui est mort? 7, 8 décès. C'est le merdier. C'est le merdier. 10 décès. 12 décès, ça n'a l'air d'être que des prisonniers. Émeute en cours, ok. Confinement. Verrouillage. Ah non, pas verrouillage, si c'est confinement. C'est bon, l'émeute est terminée. Tout le monde confiné, plus personne n'est confiné, c'est bon. Alors, il y a des prisonniers morts. Je crois pas qu'il y ait de gardien mort. Hein. 20 décès. Ça fait un peu beaucoup. Hein. Ah si, j'ai des gardiens. Mort et... Ok, alors attendez. Je peux par contre, ça aurait été peut-être bien de le faire avant. Police anti-émeute. 3 police anti-émeute. Alerte général. Faut que je les commande, hein, je crois. Ouais, venez ici. Vous ici. 25 décès. Voilà, on a la police anti-émeute qui est arrivée. Vous montez jusque là-haut. Vous montez jusque là. 25 décès. Ça va faire venir des prisonniers. Mais par contre, on a perdu des gardiens aussi. Hein. Ouais, pas mal de gardiens. Et il y a encore une alerte tunnel ici, hein. Non, ici. Où est-ce qu'on a ce foutu tunnel? Ouais, le taser, va falloir qu'on passe au taser peut-être, hein, effectivement. Ce serait de l'autre côté qu'il y a des tunnels? Je sais pas. Bon, je dois pouvoir envoyer la police anti-émeute. Comment je fais là? Je crois qu'on s'en est chargé. 20. Il y a encore des morts. Putain, non. Revenez, revenez, revenez. Ah, je peux plus les commander. Si. Où est-ce qu'il y a encore des morts? Là. Et j'ai de la thune, attendez, on va... Personnel. Des gardiens. En même temps, j'en ai plus beaucoup, des gardiens, voilà. On est à 49 gardiens, parce qu'il y a eu des morts. Je sais pas combien il y en était avant. Bah, mais ça fera de la place. Un petit peu de roulement.
par contre, ça, j'aimerais bien savoir si la salle de conditionnel fonctionne. Et ces tunnels-là me cassent les couilles. Faut que tu démarres le programme Parole et Ring. Ah oui, dans l'onglet réinsertion. Dans l'onglet des programmes, c'est ça? Audience conditionnelle. Voilà. Bien vu. C'est l'UV-til, UV. Non, mais il y a forcément un tunnel quelque part par là, hein. Pourquoi il y a des trucs de grève là? Je vais peut-être remettre les salaires comme ils étaient, hein. C'est peut-être lié aussi. Allez, augmentation de 5, de 10%, c'est cadeau. Alors oui, il y a beaucoup d'ambulances en attente pour qu'on évacue tout ça. Bon, hé, toi, est-ce que ici tu sens quelque chose? Non, tu sens rien. Tu peux venir ici? Non, tu sens rien. Ici, tu sens rien. Ici, tu sens rien. Yay! Merci pour la bonne nouvelle. Yay! Merci à toi d'avoir acheté Dark Souls 3. Je ne sais pas qui tu es. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir de te passer pour mon lien Instant Gaming. Merci! Je rappelle que si vous aussi vous voulez l'alerte, si vous achetez des jeux sur Instant Gaming, n'hésitez pas à faire point d'exclamation IG. Si vous achetez un jeu via mon lien, vous avez une superbe alerte. Et en plus, vous contribuez, vous faites. C'est comme si vous faisiez un tips parce que moi, je touche une petite commission dessus. Voilà. Et Captain, tu es trop con. Bon. Plus à l'intérieur des blocs. Ah! Ah oui, effectivement, ça pourrait. Attends, le toutou, reviens par ici pour voir si tu trouves encore un tunnel. Ouais, il y a toujours un tunnel détecté, hein. Bon, le danger, personne. Ça va, le danger il est faible. Fouille générale. On va bien retrouver ce tunnel. Merde. Est-ce qu'on prendrait pas des prisonniers faible qualité également? Faible dangerosité. On prend 7. Ouais, on prend tous ceux de basse qualité. Et quelques moyennes sécurité au cas où. T'as la morgue? J'ai pas la morgue, non. Elle est débloquée de base, la morgue, ou pas? Dortoir, sécurité, parloir, chapelle, magasin, salle de courrier, salle de classe, morgue. Je pourrais faire une morgue, mais j'ai pas vraiment les moyens là. Je suis à 400 balles, mais je ferai une morgue. Oui, il y a un tunnel quelque part là, c'est clair et net. Putain, mais la quantité de... Des clés de prise. Ah mais oui, mais en même temps, on a eu plein de gardiens morts, donc ils ont eu le temps de piquer plein de trucs sur les gardiens. Est-ce que, si on regarde au niveau des... C'est dans quoi ça? Dans logistique? Non. C'est dans renseignement? Les dangers. Ouais non, les cadavres ne sont pas considérés comme dangereux. Mais c'est peut-être comme ça qu'ils ont eu toutes ces clés là. 10 clés pour les cellules, c'est dangereux. Ah, tous les émeutiers sont morts, TGI. TGI. Ah, ok. Moi je dis ça, mais il y a encore des morts là à l'instant. Mais bon, voilà quoi. Ah, le stuff des morts pop au sol, donc oui, ils les ont récupérés. D'accord, ok. Oh non, on a un toutou qui est mort! On a un toutou qui est mort, non! Ah, libération anticipée, 3000 boules. Excellent. Du coup, faire une morgue. Alors, ce serait intéressant de faire une morgue proche de la sortie, éventuellement. Attendez, est-ce que le tunnel là... Il n'a pas été trouvé, ce putain de tunnel, hein? Et les tasers, j'ai pas les moyens.
c'est 1000 balles. Taser pour tous, c'est 5000 plus 400 balles par unité. J'ai 50 gardiens. Ce qui me fait 20 000 balles de taser. Ça fait un peu cher. Ouais, on va faire une morgue. On va la faire ici, proche de la sortie. On fera une sortie possible. Donc, fondation. Bâtiment en briques. Allez, où il y a pas mal de place. On va mettre en plus matériaux, murs. Déjà, objet, porte de personnel. Ici et là. On va mettre un mur en briques là comme ça. Ah, c'est bon, je crois que les cadavres sont en train petit à petit d'être évacués. Mais il y en a marre. La journée d'hier est un triste chapitre dans l'histoire de notre prison. Beaucoup trop de personnes y ont perdu la vie. Faites bien attention à ce que personne d'autre ne meure aujourd'hui, ou vous serez poursuivi pour négligence criminelle. Ok, donc personne ne doit mourir maintenant. Ok, bon, au moins tout le monde est content. On n'a pas de fouille en cours. Ok, tout le monde a sa douche, normalement. On n'a pas trop de prisonniers. Je vais peut-être cancel l'arrivée des prisonniers qui viennent là. Et douche vide ici, à terme, ça va être des cellules en plus. J'ai pas les moyens de les faire. Ah, c'est déjà fait, ok, super. Vous pouvez détruire construction, démolir ces deux murs là. Ok. Service, électricité, comme ça. Pourquoi il n'y a plus de jus ici? Ah, parce que j'ai démoli celui-là, comme un gros con. Ok. Parfait. Et donc, pièce, morgue. Ici. Et dans la morgue, il faut des tables de dissection. Carrément ? Coûte 100 balles. 3, 4, 5, 6. On va déjà avec 6, c'est pas mal. C'est le but de Sibérius, des streams aussi. Hein. Allez, 21h à survivre. Après, là, c'est la nuit, c'est 3h du matin, donc ça passe. Mais il y a encore un putain de tunnel qui se balade par là. Je vais avoir une évasion tout bientôt. Hein. Je vais venir gros comme une maison. Est-ce que je pourrais pas faire un truc du genre... Non mais, gros con. Annule. Du genre ça, ils rentrent dans les cellules. Les patrouilleurs rentrent dans les cellules. Et comme parmi les patrouilles, il y a des toutous. Les toutous, ils devraient sentir un tunnel. Des restes du tunnel pas bien remplis par les ouvriers comme d'habitude. Tu dis ça pour la blague ou c'est vraiment le cas? C'est un bug les tunnels? Merci Orion pour les 108 bits. Ah que coucou Bob. Coucou. Merci pour les 108 bits. Mais t'étais déjà venu. T'avais déjà dit bonjour, non? Passer tes chiens dans les cellules entièrement pour que les chiens checkent aussi les meubles. Mais je crois que les chiens ils checkent pas à la case en fait. Il check un peu plus loin. Et du coup, je peux remplacer ça par un deuxième patrouilleur de chiens. Parce qu'on en a pas mal des patrouilleurs, des chiens de patrouille. Il me semble. Donc attendez, si je vérifie. Lui. Ouais, voyez, il vient fouiller à l'intérieur quand même. Il l'a fait une fois. Pourquoi il l'a fait une fois? Il l'a fait que dans la cellule vide. Ouais, il met son pif quand même dessus, hein. J'ai l'impression.
retirer tunnel. Maintenant, je vais partir à tunnel là. Bon, on verra. Au pire, il y aura une évasion. Tant pis. Ah, il check à une case autour d'eux. Ah, donc faut que je mette un peu plus. Déploiement. Ah, oh, ça va être méga casse-couille, je dois le faire pour les 80 cellules, ça. Est-ce que ça te dérange les prisonniers d'avoir des patrouilles dans leurs cellules ou pas? Ah, mais en fait, je suis con, je peux faire juste comme ça. Ah, je peux pas le faire pour le lit par contre. Donc, comme ça, ils vont checker les shots. Je crois que ça gêne pas les prisonniers, ok. Les murs d'enceinte, j'ai pas les moyens. Ça coûte une fortune, les murs d'enceinte. Pourquoi j'ai un lit qui est en. Qui est grisé là? Je sais pas pourquoi il est grisé ce lit là. Il m'en reste encore à faire, déploiement. Là. Comme ça. Là. Là. On est presque bon, c'est super chiant. On est bon. Tout est fait. Nickel. Ils aiment pas quand les gardiens trouvent quelque chose par contre. Je te conseille de faire des rondes quand ils sont en train de manger. Je fais des rondes en permanence en fait. J'ai des gens attitrés. Ouais, mais c'est normal qu'ils soient pas contents qu'on trouve quelque chose. Mais ça paraît logique. C'est l'heure de la douche et la tension est à son minimum, hein. Par contre, beaucoup de monde se plaint sérieusement. De quoi? Besoin. Famille. Ouais, bah ça, c'est la merde par contre. Parce qu'on n'a plus la salle. Exercice, ça va arriver. Nourriture, ça va arriver. Détente, ça va arriver. Mère. Les médias sont passés à autre chose et l'ordonnance d'interdiction des télévisions dans les zones communes a été révoquée. Vous pouvez les réinstaller si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Télévision, télévision. Hop, on va remettre les 4 télés. Voilà. 4 télés reposées. Au niveau de mon personnel, j'ai encore des ouvriers. J'ai encore mes 10 ouvriers. Ouais, c'est bien que des gardiens qui sont morts, je pense. Et des maîtres chiens, on en a combien? 8. Ok. Il faudra qu'on installe les routes aussi bientôt. L'épisode, il en est où? Il en a une demi-heure, ça passe. Ouais, je pourrais mettre plus de téléphones en effet. Mais je suis pas sûr d'avoir les thunes pour en acheter. Téléphone 300 balles, ouais. Je vais pouvoir en acheter qu'un. Mais demain, on va accueillir plus de monde, hein. Remplir. Dans 22 heures, on accueille 17 personnes. Surtout de la base sécurité. Qu'on puisse un petit peu stabiliser la prison, l'agrandir, et ensuite on prendra des plus hautes sécurités. Tunnel au centre. Non, mais je sais, t'inquiète, les tunnels, Nécro, j'y bosse. Justement. Ils n'ont pas été trouvés. En fait, là, j'arrête pas d'avoir des aères-tunnels. C'est pour ça que j'ai fait tous mes passages de chien, mais ça marche pas. Fais gaffe, t'as des gardiens assignés bizarrement. Ah bon? Ah ouais! Bien vu. Ouais, c'est 4 gardiens assignés plus les gardiens maître chien. Mais je sais pas pourquoi ils veulent pas. Ah, parce qu'ils sont en pause, je pense. Ils doivent être en pause. 2 gardiens ici, 2 gardiens ici. Un là, un là, un là-haut. Ouais, c'est bon. Au niveau des assignations, le reste, c'est tout bon. Ah, damn it. Allez, on a encore 12 heures à tenir sans chef de la sécurité. Notre personnel n'est pas satisfait des conditions de travail dans la prison et menace de se mettre en grève s'il n'obtient pas une augmentation de 50%.
Nom de Dieu de crotte de bique. Notre personnel s'est mis en grève. Déjà ? Instantanément. Il y a eu un bug. Il s'est mis instantanément en grève. Ok, règlement. Vite. Augmenter. Non, augmenter. Allez, 50%. C'est bon. Plus de grève. C'est bon, la grève est finie, là. C'est terminé, la grève ? Non, mais vous l'avez eu, votre augmentation, bordel ! Enlever ces feux sur la route ! Pourquoi c'est confinement ? Non, pas confinement. La grève est finie, ok ? Ouais, c'est bon, elle est finie, ils ont juste pas enlevé les feux. Est-ce qu'on peut leur demander de... vendre... les feux. Démonter les feux. Oui. Ok, c'est juste des oublis, en fait, je pense. C'est déjà fait, Wendriel, mais... je les ai pas trouvés, en fait. Donc, justement, c'est possible, comme quelqu'un dit, que ce soit des bugs de... des bugs de tunnel résiduel, parce que j'avais déjà un tunnel juste à cet endroit-là, juste avant. Démontez-moi tout ça, s'il vous plaît. Ça fait pas très sérieux devant une prison, des gens en grève. T'es ruiné. Non, non, mais c'est... oui, c'est à cause de l'augmentation. Attendez, regardez. Aïe. Ah, yeah. Ça va se mettre à jour à l'heure pile, je crois. Hein. Voilà. La tension est à son minimum. Ah oui, voilà ce que je voulais... ah non, mais j'ai pas les moyens. Je voulais mettre une porte en plus ici pour pas qu'il y ait la grosse accumulation au début. Vous voyez, en fait, c'est toujours au même endroit et les chiens ont rien trouvé dans les cellules. Donc je pense que c'est un bug. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi le cours de cuisine ou pas? Audience conditionnelle, 8 intéressés, 7... ah oui, 7 personnes ont terminé, excellent. Donc je vais pouvoir mettre maintenant dans logistique. On a un prisonnier qualifié seulement. Je pense que les autres ont été libérés ou alors ils ont foiré. Mais on va mettre qu'on a des travailleurs possibles dans les cuisines. Patrouille de chien là où il y avait le tunnel. Ben, patrouilles de chiens sont à l'intérieur. Les tunnels partent forcément des cellules, des toilettes des cellules. Donc j'ai les patrouilles de chiens à l'extérieur. Il y a de toute façon énormément de transit de gardiens et de chiens ici parce que la salle de repos est ici en haut. Donc les chiens en passant ici, en descendant, ils y vont en bossant. Non, non, mais il n'y a pas besoin de démonter les toilettes normalement pour trouver les tunnels. Non, je pense juste qu'il n'y a plus de tunnel en fait. Et c'est juste le bug. C'est le bug, je pense. Bah, c'est exactement au même endroit qu'avant. Par contre, on a 15% des prisonniers qui a été nourri. Après, c'est peut-être à cause de la grève. Ah non, le repas va arriver. La tension monte un petit peu. Pourquoi ? Besoin. Nourriture, ouais, ça va arriver. Vêtements, il faut qu'on fasse une buanderie, Soon aussi. Mais il nous faut de l'argent pour ça. Et ça, là, je sais toujours pas. Hein. Je sais toujours pas comment ça marche, ça. Ok ? Il y a une explosion, j'ai entendu une explosion. Non, 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 confinement. On a deux. Ah oui, l'explosion, c'est parce qu'il y a eu des morts. Ok, confinement. C'est bon, ça s'est calmé. J'annule le confinement. C'était juste la bagarre ici. On a eu deux morts. Ah. Allez, on a encore 3h30 à tenir. Attendez demain pour vous entretuer. C'est pas grave. Allez, 24 heures, c'est quoi 24 heures? Non, le parloir, je peux pas. Le parloir, je peux pas. Je dois encore tenir 42 heures sans parloir. TGI, je crois pas que je puisse en fait. Je crois pas que je puisse.
C'est bon, on a 2 morts sur 5. Ils sont calmés et ça va être bientôt l'heure de dodo. Et on a les gens qui sont commencés à être nourris. Parfait. Ok. On trouve de la drogue. Drogue. Ça va être l'heure de dodo. Donc c'est bon, normalement, on le fait. On le fait. Yo, Spartatouille, comment ça va? ...43 minutes à tenir. Pas d'émeute maintenant, s'il vous plaît. Il y a 22 gardiens qui se touchent la nouille maintenant. Oh, j'ai peur. Un autre personnel n'est pas satisfait, ta mère. Personnel insatisfait, mon cul. C'est super casse-couille, ça. Soit ils auraient dû interdire... Le fait de rebaisser, soit bah, tu prends pas en compte quoi. Pas content. Pourquoi? Non, parce que je fais les... Hein? Les commentaires. Ah. Tu as cette situation. C'est une ator. J'ai un succès? Non. On va avoir du pognon qui va arriver demain. Pour se faire de la thune, il faut qu'on fasse les zones de bûcheronnage. Je sais plus comment ça marche, mais il faut qu'on le fasse. Et merci beaucoup Milbane pour les 6 mois. Bienvenue à toi, ça fait plaisir. Bonsoir, ça fait bien. Oh, l'ancien jeu, oui, c'est vrai, ça faisait longtemps. Faire des fouilles pour nettoyage d'outils, mais j'en ai fait plein des fouilles et j'ai rien trouvé. Bonsoir, ça fait du bien de revoir des anciens jeux. Au passage, pour le nettoyage d'outils, il faut faire des fouilles. Oui, Erwan, j'ai les besoins du personnel, je crois. Ah oui, sinon il ferait pas de grève. Sinon il ferait pas de grève. Ah, Nécro, t'as bien reçu, super. Électricité, ça dit quoi? Ça dit moyen, hein. Va falloir qu'on fasse aussi de l'électricité. Il nous faut des thunes. Je pense que avec les thunes qui arrivent... Après, avec la conditionnelle, maintenant qu'on a mis les trucs de conditionnelle, on peut avoir jusqu'à 4 libérations par jour de conditionnelle. Et c'est 3000 balles. 12 en attente, 5 complétées et 1 réussie. Ah, il y en a qu'un qui a réussi, ouais d'accord. 7 qui ont terminé, un seul qui a réussi pour le... Ça je peux... Ah oui, je peux en mettre plus, d'accord, excellent. Alors attendez, par contre, sûreté et sécurité, ça se passe dans l'atelier. On n'a pas d'atelier pour le moment. Menuiserie, on n'a pas d'atelier. Formation scolaire, on n'a pas de salle de classe, on pourrait le faire. Non, non, 35 non, personnes intéressées. Scolaire général, personne intéressée. Thérapie comportementale, ça se passe dans le bureau du psychologue. Bon, ça je peux le faire aussi. 20 personnes intéressées. Ça, on peut le faire, thérapie comportementale. Voilà, j'ai pu mettre 2 programmes là-dessus. Thérapie de groupe anti-alcoolique. Ça se passe par un psychologue dans une salle commune. Je peux pas le faire parce que j'ai plus le psychologue libre. Guidance spirituelle, ça se fait dans une chapelle. J'ai pas de chapelle. Toxicomanie, médecin dans l'infirmerie. Ça, je peux le mettre également. Médecin, par contre... Ça veut dire installer des détecteurs de métaux, je pense. Pourquoi je suis en passé en négatif, moi? Avec tout ça. Bon, peut-être que ça va se régler quand on aura les... Les cours sont payants, en fait. C'est ça. Bonjour, Pilcom. Comment vas-tu? Ah non, c'est bon, on est repassé en positif. Parfait. Je vais faire un truc. Sauvegarder la prison, déjà, de 1. De 2. Dire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube! Au revoir YouTube! J'espère que ce stream t'a plu, cette vidéo t'a plu! On se retrouve bientôt pour la suite. C'était As2 avec le stream qui te dit au revoir aussi. Dis au revoir le chat. Voilà. Au revoir YouTube. Pouce bleu si ça t'a plu. Ciao, 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 ciao. On a quoi? 4h13 de stream. 4h13 de stream, c'est noté.